L'établissement Julie Loura, lauréate de la première édition du concours national de mathématiques, une compétition organisée par l'association Maison Arc-en-Ciel avec 5 filles en finale. 25 filles au départ, elles sont toutes issues de la région du centre. Rasmani Zundi, Moussaki. Julie Loura sur la plus haute marche du concours national de mathématiques dénommé Élite Mathématique. Elle ravit la vedette avec une moyenne de 16,5 sur 20. La meilleure mathématicienne repart avec des kits scolaires, une bourse d'études de 100 000 francs CFA, un mini-ordinateur et un trophée. J'ai aimé les maths dès l'école primaire parce que mon père est lui-même professeur de mathématiques. Donc les vacances, la plupart du temps, on s'entraînait. Et puis, j'ai continué à aimer les maths jusqu'au collège. Chaque fois qu'il y a un devoir de mathématiques, je me prépare bien pour ne pas avoir une note inférieure à 18. Julie est suivie par Bernice, qui se classe deuxième avec une moyenne de 12,5 sur 20. L'initiative est de l'association Arc-en-Ciel, une association qui œuvre pour l'employabilité des jeunes à travers l'éducation et la formation. L'objectif, c'est d'encourager les filles à aimer les matières scientifiques, et plus précisément les mathématiques. Ceux qui gagnent les meilleures notes, c'est généralement les garçons. Et nous avons commencé d'abord par des petits cadeaux à encourager les filles, voilà, qui arrivent à exceller en mathématiques. Et ensuite, nous nous sommes dit qu'il faut aller encore plus loin en organisant un concours au niveau national, voilà, pour encourager les filles. Cette première édition du concours national de mathématiques a connu la participation des 25 filles de la classe de 4e venant des lycées et collèges de la région du centre.